Chers collègues, bonsoir. 18h30. Hop. Je vais éteindre mon téléphone aussi. Hop. Bonsoir à tous. Donc, normalement, vous avez tous un petit annuaire des services de la ville, donc avec le nouveau logo. Donc, un guide avec les numéros essentiels. Vous avez la primeur, voilà. Avant d'ouvrir la séance, je voulais quand même faire un petit point rapide sur les élections législatives pour déjà remercier les élus et les Védasiens, et aussi, sans oublier, l'ensemble des services de la ville qui ont, où tout le monde a pu finalement contribuer au bon déroulement de ces élections. Je sais que c'était une année un peu dense, élection présidentielle et élection législative. Pour moi, l'occasion donc de quand même féliciter les 9 députés que nous avons dans l'Hérault. Donc, Monsieur Rome, Madame Oziol, Madame Christol, Madame Galzi, Madame Ménard pour sa réélection, Monsieur Lopez Ligouri, Monsieur Carrière, Monsieur Vinal pour sa réélection, et pour notre circonscription, donc la première, Patricia Mirlès, et amie depuis longue date, qui fait 52% sur la circo, mais 58% sur notre commune. Voilà, j'ai échangé encore avec elle ce matin et elle m'a confirmé son soutien pour la ville, en tout cas pour les 5 prochaines années. Donc on sait qu'on pourra compter sur elle. Toujours dans le cadre de la vie démocratique, j'ai la semaine dernière accueilli avec Madame Claire Morin, je ne sais pas où est Claire, elle est là, le conseil municipal des enfants pour... questions-réponses avec eux, pour les remercier pour cette belle année. Ils se sont vraiment engagés, ils ont bien travaillé. Les CM2 partent au collège, donc quittent le conseil municipal des enfants. Élection future fin septembre, début octobre. On n'a pas calé encore la date, mais on va le travailler avec l'ensemble des directeurs d'école. Également, remercier le conseil des sages, une fois de plus. Ils ont fait un travail formidable ces derniers mois. Ils se voient, si je ne me trompe pas, Madame Morin, vous me coupez, au moins 2. Il se voit le 5, mais généralement, il se voit au moins 2 à 3 fois par mois. Beaucoup de belles propositions, de jolis échanges. Ils vont faire une petite pause parce que Conseil des Sages dit que, pour beaucoup, ils sont grands-parents, donc ils vont quand même aussi profiter de cet été pour s'occuper de leurs petits-enfants. Mais en tout cas, je sais que dès la rentrée, on pourra compter sur eux et travailler avec eux. On va passer à la culture. Mois de juin très dense au Terral. Beaucoup d'animations culturelles, école de musique, école d'art plastique, beaucoup d'associations qui ont fait des expos. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, demain soir au vernissage TriArt à 18h30. Ce chez du Terral, nous continuons à travailler avec Madame Passera de la Chapelle et l'ensemble des services sur la Maison de la Nature. Ça avance bien. Et en parlant du Terral, comme on ne se revoit pas avant septembre, notez dans vos agendas la fête des associations qui se déroulera le samedi 3 septembre de 10h à 17h. Et la semaine d'après, le festival de rue. Merci, Madame Fabry. Nous avons présenté donc le nouveau logo. Je suis satisfait. En tout cas, je le trouve très beau, de très bons retours. Il sait accompagner une ville qui devient moderne tout en gardant une identité de village, comme j'aime souvent le rappeler, le village d'antan sur lequel j'ai grandi. Mais pour moi, il n'y a pas de nouveau ou d'ancien Védasien. Vendredi soir, je discutais avec une dame qui était arrivée le jeudi, la veille, et pour moi, elle était Védasienne. C'est pas parce qu'on arrive 2 jours avant qu'on n'est pas Védasien. Pour moi, du moment qu'on habite le territoire et qu'on s'implique dans sa vie, dans la vie communale, on est forcément Védasien. Voilà. Donc, ce qui me permet de saluer aussi les nouveaux arrivants qui arrivent. De tête, cette semaine, il y a la livraison du Terracotta. C'est l'immeuble qui est blanc et marron à proximité de la piscine. Demain, j'ai l'honneur en tant que maire, mais en ma qualité de président de la mission locale, d'accueillir le forum de l'emploi et de l'alternance au parc de la Perrière, toute la journée, donc à partir de 10h.
70 entreprises, plus de 500 offres d'emploi ou de formation ou de stage sont à pourvoir. J'ai reçu un mail de mes salariés tout à l'heure. Et monsieur Lalleux, si vous pouvez passer le message à monsieur Navarro et l'ensemble de ses équipes, parce que dans le message, c'était de le remercier pour le travail qu'ils ont accompli et le travail qu'ils vont accomplir demain sur l'installation des tables, des chaises et des barnums dans ce parc qui risque d'accueillir beaucoup, beaucoup de monde. En tout cas, moi, j'y serai présent à 10h. Et ce qui m'a permis ce matin d'être invité à la radio Aviva pour une émission qui a duré 20 minutes, qui sera diffusée lundi à 14h sur l'action des missions locales, mais aussi l'action des pouvoirs publics face au défi qui est face à nous aujourd'hui, qui est l'emploi, mais l'emploi au sens large pour nos jeunes comme pour nos anciens ou des générations entre les deux. Toujours sur des dates, fêtes locales. Et donc un grand merci au comité des fêtes qui donc organise la fête locale vendredi, samedi, dimanche. Merci encore une fois de plus aux agents de la ville qui contribuent aussi à la participation de cette fête et à sa réussite. Dans la foulée, il y aura les Estivedas, donc 4 rendez-vous dans l'été. Donc le premier sera le vendredi 8 juillet, parc de la Perrière. Et je pense que ces événements sont importants pour notre ville, qu'on considère pour certains comme dortoir, et je refuse que Saint-Jean-de-Védas soit associé comme ville dortoir. Et je pense que tous ces événements qu'on met en œuvre avec le tissu associatif contribuent justement à que Saint-Jean-de-Védas ne soit pas une ville dortoir. D'autres dates à la volée, donc le samedi matin, ou du moins toute la journée, on fête les 30 ans de l'écolothèque. La semaine du 14 juillet, donc le 14 juillet, cérémonie officielle comme d'habitude. Et cette semaine-là, nous accueillons donc le maire de Libria. Donc Libria, pour ceux qui ne le savent pas, est la commune qui est jumelée avec Saint-Jean-Bédas depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Donc plusieurs rendez-vous, visites, cérémonies donc du 14. Le dimanche 17 juillet, nous accueillons le festival Radio France pour un concert. Et ce qui me permet de rappeler, parce que je ne l'avais pas dit la fois dernière, cette année, il n'y aura pas de cinéma en plein air comme la métropole avait l'habitude de faire. Le cinéma en plein air, le mois d'août, 31 communes sur la métropole, 31 jours, un soir, tous les soirs, une séance cinéma. Et cette année, la métropole a fait le choix de faire que 15 dates. Donc cette année, nous sommes associés à Villeneuve-les-Maguelones. Et donc, une année sur deux, on changera de commune. Voilà pour ça. Toujours dans l'agenda, mais ça plutôt politique, le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le mardi 27 septembre. Et dernier point, parce qu'on avance très bien sur le projet des Halles Védasiennes, donc les candidatures ont été déposées, il y a un premier tour début juillet, on sélectionnera 3 architectes. Et on sélectionnera un seul architecte, normalement fin octobre, début novembre à peu près. Le projet avance bien. Les différentes discussions qu'on peut avoir avec TAM et Métropole, parce qu'il y a le parking n'étant pas encore sur le territoire de la Serm pour un petit aspect, mais c'est vraiment très technique, mais ça avance vite. Et si tout va bien, pour le dernier semestre 2025, nous aurons les Halles à inaugurer. Je vous remercie. Nous allons procéder à l'appel. Alors, j'ai reçu Monsieur Théol m'a donné son pouvoir. Donc, pour toute transparence, je vous dis la délibération numéro 1 sur le budget et votre compte. Madame Mortier, allez-y, je signe et puis comme ça, je vous libère. Une urgence, excusez-moi. On va couper la caméra pour vous, si vous voulez. Que celui-là ? Et bonne soirée, merci beaucoup. Donc sur la délibération numéro 1 sur le budget supplémentaire 2022, monsieur Théol vote contre. Délibération numéro 2 sur le tableau des effectifs, abstention, madame Fabry. Délibération numéro 3 sur la fusion CERM et sa 3e, il vote contre. Délibération numéro 4 sur le soutien de la métropole, la candidature de la métropole sur le projet Atlas de biodiversité, il vote contre. Et sur la délibération de la subvention de 500 euros pour Saint-Jean, cœur de ville, donc vous savez, c'est l'association des commerçants, ils votent pour. Donc je ne vais pas m'amuser à lever le bras à chaque délibération, donc je remets cette feuille
à l'administration, et puis on déroule comme ça, ça vous convient ? Allez. On procède donc à l'appel. Madame Saletti, je vous écoute. Monsieur Rio. Présent. Madame Fabry. Monsieur Plotin. Monsieur Piau. Madame Bruel. Monsieur Van Lensel, procuration. Madame Passera de la Chapelle. Madame Pena. Madame Morin. Monsieur Yvain. Monsieur Trépro. Monsieur Bruguière. Madame Passera de la Chapelle. Madame Biancochène. Monsieur Quintin, procuration. Madame Fabry. Madame Mougin. Madame Ferret, procuration. Madame Pena. Monsieur Lefebvre. Monsieur Valzac, procuration. Monsieur Yvain. Madame Rimbert. Monsieur Blanchard. Monsieur Cadieu, procuration. Monsieur Plotin. Madame de Robert de la Frigère, procuration. Madame Pena. Monsieur Robin. Madame Misona. Monsieur Boisseau, absent. Monsieur Théol, procuration. Monsieur Rio. Madame Roland. Monsieur Fonvieille, procuration. Monsieur Robin. Madame Homs. Monsieur Debois-Gelin. Madame Vessiot. Monsieur Sigaud, procuration. Monsieur Bruguière. Madame Ranevo, procuration. Madame Fabry. Merci beaucoup. Donc, il me faut un secrétaire de séance. Je propose Madame Chêne. Ça vous convient ? Y a-t-il d'autres candidatures ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci Madame Chêne. Nous pouvons donc, sur les décisions prises depuis le dernier conseil municipal, y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je n'ai pas reçu de demande. Donc on soumet aux voix, c'est ça ? Non, on ne soumet pas aux voix les décisions. On acte qu'on a pris. Voilà. Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 12 mai. Je n'ai rien reçu, donc on procède au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité. Budget supplémentaire 2022. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Piau. On va se partager le micro. D'accord. Oui, bonsoir tout le monde. Donc la présente délibération concerne le budget supplémentaire 2022. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article 1612-11, vu l'instruction budgétaire et comptable M14, au vu du budget primitif 2022, du compte administratif 2021 et de l'arrêté des restes à réaliser, dépenses et recettes qui en découlent, à la vue également de l'affectation des résultats 2021, il apparaît nécessaire de procéder à des ajustements sur les crédits votés au budget primitif 2022, et ceci pour les deux sections, à savoir fonctionnement et investissement. Donc il convient de prendre en compte les restes à réaliser ainsi que l'affectation du résultat dans cette opération. Concernant la section de fonctionnement, donc cette dernière s'équilibre à 2 289 911 euros. En ce qui concerne plus particulièrement les dépenses, les inscriptions au budget supplémentaire appellent les observations suivantes. Donc le montant du budget 11 augmente de 114 560 euros afin de pouvoir réaliser les dépenses suivantes. Donc en fait, vous les avez listées sur le petit tableau qui doit défiler derrière moi. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Le montant des dépenses nécessaires sur le chapitre 14, quant à lui, diminue de 11 435 euros en raison du réajustement à la baisse du montant de l'attribution de compensation versée à la métropole de moins 20 979 euros, et ce au titre de l'année 2022, et du réajustement à la hausse du montant des pénalités de la loi SRU, donc pour un montant actualisé à hauteur de 9 544 euros. Donc les communes qui n'atteignent pas leur taux légal de logements sociaux font l'objet d'un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales proportionnel au nombre de logements manquants pour atteindre les 25%. Donc nous sommes pénalisés à hauteur de 9 544 euros cette année. Ainsi, le montant de ces prélèvements s'établit à la somme de 213 779 euros en 2022. Il était de 204 235 euros en 2021. Ce qui concerne le chapitre 22, ce dernier augmente de 1 130 000 euros, et ceci afin de réaliser des réserves en cas de dépenses imprévues. Ce chapitre ne fait pas l'objet de mouvements budgétaires spécifiques. Le montant du virement à la section d'investissement augmente de 287 000 euros. Le montant du chapitre 65 augmente de 12 523,72 euros, ce qui correspond à la remise gracieuse accordée lors du déficit de la régie des recettes. Le montant des dépenses réalisées sur le chapitre 67 augmente de 747 675 euros, ceci afin de réaliser des réserves en cas de dépenses exceptionnelles. Ce montant comprend la somme de 13 803 euros au titre de la régularisation de la régie des recettes qui se compense en recettes au compte 70-67.
9587 euros sont également prévus au compte 6817 et ça correspond à la constitution d'une provision pour retard de paiement de créance. La réglementation considère que les pièces en reste depuis plus de 2 ans doivent faire l'objet d'une provision pour dépréciation à minima à hauteur de 15% du montant de la créance. En lien avec la SGC, nous avons choisi un taux de 20%. Donc ceci étant pour les dépenses, passons aux recettes. Concernant les recettes de fonctionnement, les ajustements du budget supplémentaire sont liés aux observations suivantes. Le résultat de fonctionnement reporté est à hauteur de 2 089 236 euros. Le montant des recettes réalisées sur le chapitre 70, produits des services, augmente quant à lui de 13 803 euros, ceci en raison de la régularisation de la régie des recettes. Le montant du produit fiscal affecté au chapitre 73 augmente de 10 039 euros suite à la notification des bases fiscales après le vote du budget. Et le montant des recettes affectées au chapitre 74 augmente de 176 831 euros. Et c'est dû à l'augmentation des compensations financières versées par l'État au titre des exonérations des taxes foncières et d'habitation. Donc il est nécessaire d'enregistrer une baisse de 3 776 euros de la DGF. Concernant plus particulièrement la section d'investissement, donc la section d'investissement s'équilibre à hauteur de 1 180 039 euros. Concernant les dépenses, donc les dépenses d'investissement inscrites au budget supplémentaire sont les suivantes. Donc elles sont constituées du résultat d'investissement reporté pour un montant de 321 788 euros, du montant des restes réalisés au titre de l'année 2021 pour 493 279 euros, du montant du dernier versement du fonds de concours voirie à la métropole de Montpellier pour un montant de 245 141 euros, et de nouvelles dépenses en investissement qui doivent être inscrites pour un montant de 119 830 euros et dont le détail vous est fourni également, comme l'a précédemment, sur le tableau derrière moi. Concernant les recettes d'investissement, donc les restes à recevoir de l'année 2021 s'élèvent à 490 859 euros. Le montant du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement augmente quant à lui de 287 000 euros. Le montant des recettes prévues sur le chapitre 10 augmente de 101 760 euros avec une baisse du montant du FCTVA de 88 635 euros. La diminution du montant de la taxe d'aménagement de 133 802 euros suite à la notification de 3e et la reprise de l'excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 324 207 euros. Le montant des recettes prévues au titre du chapitre 13 augmente quant à lui de 1 570 317 euros du fait de la notification de différentes subventions. Sont concernés les 1 176 317 euros notifiés par l'Agence de l'eau et la CAF relatifs au projet des cours Oasis. 264 000 euros ont été accordés par l'État, donc l'enveloppe DETR, pour la réhabilitation des escaliers. L'attribution par la métropole de Montpellier d'un fonds de concours de 200 000 euros pour la réhabilitation également des escaliers. Une attribution par la CAF d'une subvention de 30 000 euros pour l'agrandissement de la ALSH. Une réduction de 100 000 euros de la subvention régionale pour les cours tennis, malheureusement. Le montant de l'emprunt prévisionnel est réduit à la somme de 2 170 093 euros et le compte 204 15 12 augmente de 300 000 euros du fait d'un double versement à la métropole pour du fonds de concours communal en 2019 pour les travaux de voirie liés à la construction de la clinique. Donc sur ces éléments, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur cette affaire et le cas échéant d'approuver le budget supplémentaire ainsi proposé afin de procéder aux ajustements sur les crédits votés au budget primitif 2022 et ceci pour les deux sections, à savoir donc fonctionnement et investissement. Monsieur le maire. Merci beaucoup monsieur Pio. Donc vous avez parlé de la DETR et donc quand j'ai croisé le préfet et le sous-préfet la semaine dernière, comme on a reçu la note il y a moins d'une semaine, je les ai remerciés pour les 260 000 euros, ce qui nous fait aujourd'hui que les escoliers sont plus qu'à la moitié financés par les aides publiques, soit État ou collectivité. Donc voilà, donc je tiens quand même à remercier soit l'État, la métropole et les autres, l'agence de l'eau aussi, pour ce projet-là. Monsieur Robin, vous avez appuyé sur le bouton, donc je vous donne la parole. Allez-y. Merci, bonsoir. Il y a deux postes qui nous interpellent un petit peu. C'est vos provisions, en fait. On va les appeler comme ça, c'est plus simple. Donc le chapitre 022, je ne vais pas vous faire l'article. En fait, ce sont des réserves en cas de dépenses imprévues. Et l'autre chapitre, le 67, pardon, ce sont des réserves en cas de dépenses exceptionnelles. Bon, donc il n'y a pas de souci sur le fait de faire des réserves. Le seul point qui nous interpelle, c'est que les deux réserves cumulées approchent à peu près les 2 millions, 1 877 000 euros.
et ça représente 12% de plus que les budgets de fonctionnement prévus au départ. Donc qu'est-ce que vous mettez dans ces imprévus et exceptions, vu qu'on est quand même au mois de juin, donc on doit à peu près cerner la dérivée des budgets de fonctionnement. Je vais laisser quand même monsieur le DGS répondre, mais globalement, c'est le fonds de roulement. Vous savez, quand on a pris la ville il y a 2 ans, on avait un fonds de roulement qui était de 200 000 euros, qui ne nous permettait pas d'avoir une capacité d'emprunt. Parce que quand vous allez à la banque avec un budget à 21 millions d'euros, mais vous avez un fonds de roulement à 200 000, c'était un petit peu compliqué. Donc l'idée, c'était d'avoir un fonds de roulement plus élevé, mais je vais laisser le technicien vous répondre. Monsieur Lalleux, à vous. Oui, bonsoir. Je vais répondre en deux temps, monsieur Robin, à votre question. Sur les dépenses imprévues, je crois que je vous l'ai déjà écrit, les dépenses imprévues sont limitées à 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement. Donc ça, c'est la première réserve. Et la deuxième réserve, quand on a un fonds de roulement, comme l'a dit monsieur le maire, d'environ 2 millions d'euros, il faut qu'on le mette dans un autre compte. Donc on l'a mis sur un compte 67, qui est les comptes, c'est le chapitre le moins mouvementé. Alors qu'est-ce qu'on met sur ces dépenses imprévues ou ces dépenses exceptionnelles? Eh bien, on met rien. On met rien, et au contraire, on est heureux de rien y mettre. Ça veut dire que les recettes de l'année couvrent les dépenses de l'année et que l'on n'est pas obligé de prendre dans la réserve annuelle pour couvrir les dépenses annuelles. Bon, ce qui va nous permettre aussi de tamponner sur l'exercice 2023 les 250% d'énergie que l'on va de la facture d'énergie, et puis l'annonce qui a été faite ce matin au bénéfice du dégel du point d'indice de 3,5% qui représentera 300 000 euros de charges supplémentaires pour la commune. Donc on n'a rien, mais on est pour équilibrer un budget. Du fait qu'on constate un fonds de roulement de 2 millions d'euros, il faut qu'on réaffecte en face des recettes, sachant que les dépenses imprévues, ce n'est pas un compte qui se mouvemente. Les dépenses imprévues, pour mouvementer le chapitre sur les dépenses imprévues, il faut faire un virement qui peut se faire hors autorisation budgétaire, comme ça je vous fais toute l'explication, mais qui est constaté par le conseil municipal dans la séance la plus proche, avec explication du maire, pour dire j'ai dû mouvementer les dépenses imprévues. Bon, ça m'est arrivé dans ma vie professionnelle, c'est qu'au mois de... Par exemple, au mois de décembre, le 0,12 n'est pas suffisant, il manque 500 euros pour payer le personnel. Et on mouvemente les dépenses imprévues et ça évite de bloquer la paie. Ok, merci. J'ai une deuxième éclaircissement à demander. Donc c'est sur le montant de l'emprunt. Donc j'ai bien compris que par rapport aux 3 735 000, enfin nous avons bien compris, suite aux subventions, donc il reste 2 170 000 euros d'emprunt. Il y a combien de, sur ces 2 170 qui restent à peu près, quel est le montant qui a été mobilisé à ce jour? Alors, je vous l'ai déjà dit ça. Mais bon, on a mobilisé le 24 février, à une date qui est, si tout le monde connaît la situation internationale, on a mobilisé un emprunt à 1 million d'euros à 0,75 sur 20 ans. Et l'emprunt qui reste, qui est un emprunt Banque des Territoires, c'est pour financer les escoliers, c'est un emprunt d'un million et des poussières, et qui à la fin ne sera, représentera pas un million, qui est à taux zéro. Donc cette année, on a emprunté, potentiellement on empruntera 2 100 000, sachant que les 1 100 000 de la Banque des Territoires, plus on aura de subventions, moins on empruntera, parce que c'est on emprunte que le delta. Il sera à taux zéro et on a 1 million à 0,75. Aujourd'hui, les taux ils sont à 3%. Donc, en 2 mois, 3 à 4 mois, là, on a topé les taux au bon moment et on ne rempruntera pas cette année. Et le fonds de roulement de 2022 et de 2021 va nous permettre d'attendre un petit peu le dégel sur les taux avant de réemprunter sur 2023. Madame Isona, je vous laisse la parole.
Oui, moi j'avais deux petites questions. Une petite précision sur la subvention du tennis, de la réduction. Est-ce que c'est une subvention qui avait été notifiée et qui a été ensuite, vous avez reçu quelque chose qui la réduisait, ou est-ce qu'elle avait été, elle avait été estimée ou demandée simplement à ce montant ? La deuxième chose, c'est que je voulais revenir sur le vol de la régie des recettes. Compte tenu du fait que la dépense, le déficit sera imputé au chapitre 65, ça signifie que le directeur régional des finances publiques a refusé la prise en charge, a refusé la remise gracieuse. Je voulais savoir quelle explication ou justification il avait pu accompagner son refus, enfin, vous communiquer. Ça sous-entendrait qu'il estime sans doute que la collectivité n'était pas en tort. Enfin, je ne sais pas quelles explications il a pu donner. En tous les cas, c'est donc la commune qui va devoir supporter cette somme, ce déficit. Donc c'est vrai que sur la responsabilité pénale, l'enquête est toujours en cours, mais c'est la responsabilité administrative, quelque part, elle pose souci parce que on ne sait pas là les vérifications qui n'ont pas eu lieu, sachant qu'il n'y a pas de prise en charge, il estime qu'il y a quand même, il y a quand même la collectivité qui a une responsabilité. Voilà, donc je voudrais que vous pouviez éclaircir un petit peu ce qu'il en est sur ce refus de remise gracieuse. Je vais vous répondre sur le premier point. Sur le premier point, lorsque l'on a travaillé sur les subventions pour les tennis, ce qui nous avait été dit, c'est qu'une fois qu'on avait la notification de la métropole, donc on a eu un fonds de concours de 200 000 euros de la métropole, on aurait automatiquement 200 000 euros de la région. Donc on avait fait le budget, du fait qu'on avait la notification de la métropole, on avait mis la somme de la région, et en fin de compte, l'automatisme, c'est pas aussi automatique que ça, et on a eu que 100 000 euros de la région, donc d'où la réduction de la somme. Sur la régie. Alors sur la régie, au contraire, le directeur des finances publiques a reconnu, suite à la délibération que vous avez prise au conseil municipal, l'absence ou l'absence partielle ou quasi totale du régisseur, donc a accepté de dédouaner le régisseur de sa responsabilité. Et bien sûr, comme toute dans comptabilité publique, il faut tracer le manque à gagner de la collectivité par rapport à le vol qui a eu lieu fin au cours de la période comprise entre mars 2019 et décembre 2020, là où ça a été constaté. Donc si vous regardez les écritures comptables qui sont passées, vous verrez que la somme initiale du vol apparaît en recette avec une dépense qui n'est pas égale à la recette et qui explique le delta à charge auprès du régisseur. Merci beaucoup, monsieur. Y a-t-il d'autres questions ? Donc je soumets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Madame Isona. Qui s'abstient ? Avec les procurations. D'accord. Adopté pour le reste. C'est bon ? Vous avez eu le temps de... Monsieur de Beaujolais s'abstient aussi, comme le groupe. Délibération suivante, mais comme j'ai fait mon intro en parlant des élections législatives et que je vois monsieur Depré dans la salle, je tiens aussi à le féliciter pour cette belle campagne propre dans le respect républicain. Voilà. Même si tu n'accèdes pas à l'Assemblée nationale, en tout cas, tu as fait une belle campagne et je tiens à te saluer publiquement. Question suivante pour madame Véronique Fabry sur la modification du tableau des effectifs. Bonsoir à tous. Considérant que les besoins des services et les évolutions de carrière des agents nécessitent la création de 39 emplois permanents, dont 38 correspondant à des régularisations, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs afin que celui-ci reflète la réalité des emplois pourvus.
C'est une régularisation des emplois précaires qui étaient jusqu'à présent au niveau des animateurs, qui étaient sous contrat et qui ne savaient jamais si c'était renouvelé. Donc on régularise pour qu'ils soient rassurés et qu'on évite de laisser des emplois précaires. Voilà, c'était juste une information complémentaire. Je vous laisse la parole, monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Madame Homs ? Oui, merci. Je voulais simplement avoir une petite précision au niveau de l'émergence d'un nouveau besoin en animateur territorial de première classe à la Maison de la Nature et de l'Environnement. Savoir quelle sera exactement sa fonction, parce que vous avez déjà, je crois, un agent qui est à temps complet là-bas. Et donc, voilà, savoir s'il y a vraiment un besoin et en quoi il consistera, quelle sera sa charge et sa fonction. Et aussi, si vous pouvez nous dire ce que fait actuellement la personne qui est à la Maison de la Nature. Alors, deux questions. Donc, la personne qui est à la Maison de la Nature est en train d'écrire le projet en lien direct avec Madame Passera de la Chapelle et le directeur général des services. Vous le savez, un agent dans la collectivité, c'est 35 heures. Et l'idée d'avoir une maison de la nature, c'est qu'elle puisse accueillir en semaine du monde et principalement nos enfants. Je parlais de l'écolothèque tout à l'heure. L'écolothèque a un fort succès, mais malheureusement, n'a pas la capacité de pouvoir accueillir plus d'une fois par an nos classes, du moins les classes sur les 31 communes. Et la maison de la nature se veut d'être ouverte la semaine, mais aussi le week-end. Donc d'avoir un nouveau recrutement, c'est aussi permettre d'avoir toujours quelqu'un qui soit présent pour accueillir le public en semaine, mais également le week-end. Y a-t-il d'autres interventions ? Donc je vous soumets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions sur ma droite. Qui vote contre ? Adopté pour le reste. Merci beaucoup, Madame Fabry. Question numéro 3, elle est pour moi. C'est la création de Altemed. Donc, c'est le rapprochement entre la CERM, la SA3M et ACM Habitat. Comme vous le savez, Cédric Graille a pris la présidence de ACM en arrivant il y a quelques mois. Et la volonté politique métropolitaine était de créer une seule entité qui regroupait ces trois. Parce que CERM et SA3M, c'est très proche. Ils sont frères et sœurs, entre guillemets, et ACM Habitat, c'est vrai qu'il est un des opérateurs sociaux sur la métropole historiquement. Et donc, nous avons traité ça à la métropole. Donc aujourd'hui, c'est comme objectif renforcer les synergies entre les différentes entités, offrant de nouvelles pistes de travail partenariales avec les 31 maires de la métropole, de mutualiser les fonctions support et les moyens communs. Pour le capital, ACM sera majoritaire à 55%, soit un capital de 55 000 euros. La CERM, 40%, soit 40 000 euros. Et sa troisième, à 5%, soit 5 000 euros. Y a-t-il des questions ? Monsieur Robin, je vous écoute. Vous écoute. Alors, c'est un sujet qui nous paraît important. Je vais vous lire. Donc, il s'agit de constituer une société de coordination, mais qui va piloter au niveau stratégique les trois entités. Donc je vais vous lire, si vous le permettez, la déclaration d'il y a un an de M. Delafosse, donc le président de la métropole, qui éclaire ce sujet-là. L'objectif du futur opérateur sera d'offrir davantage de lisibilité et de réactivité face aux attentes des porteurs de projets. Il devra accélérer la production de logements, notamment sociaux, sur l'ensemble du territoire, selon une logique de solidarité et de rééquilibrage. Ce nouvel acteur alliera vision stratégique, donc c'est ce qui a été dit, et vie au quotidien des habitants pour concevoir une ville, donc on parle que de la ville, je pense que c'est Montpellier, plus sûre. Une ville du quart d'heure, une ville sobre et résiliente, une ville à hauteur d'enfant. Je lui fixe un but accéléré, explique M. Delafosse. L'idée est de disposer d'un véritable assemblier capable d'être à la fois bailleur social, opérateur immobilier, aménageur, opérateur de la transition climatique et pilote de la transformation des quartiers. La volonté est également de mettre fin au travail en silo et à la multiplicité des acteurs et des procédures perçues comme un frein à l'efficacité de l'action publique. Encore un petit morceau.
Le futur opérateur devra également accélérer les livraisons de ZAC de la métropole et en finir avec l'urbanisation à la parcelle, développer l'urbanisme transitoire en transformant rapidement les friches industrielles ou les zones délaissées et accélérer la transition climatique par des cahiers des charges plus exigeants en lien avec les orientations du futur PLUI Climat. L'entité fusionnée CERMACM sera en mesure d'offrir une véritable régulation sur le foncier face à l'emballement de l'immobilier. Alors, ce qui nous inquiète un petit peu, bon, qui est une volonté stratégique de prendre en main tout ça, pourquoi pas, sur l'ensemble des territoires, c'est que, en fait, quand on fait la lecture des statuts, en fait, il n'y a que le président de la métropole qui a la main sur ce dispositif. En fait, il y a un conseil d'administration qui donc doit décider des décisions, bien sûr, lequel est représenté de 50% des membres des sociétés HLM, sociétés d'économie mixte et de promotion. Donc, je pense la CERM, ACM Habitat et SA3S, 3 représentants des locataires et 2 à 5 représentants des collectivités, donc vous, entre autres, qui n'ont qu'un avis consultatif, à voix consultative, donc en fait qui ne votent pas. Ce qui fait qu'en fait, c'est une société qui a les pleins pouvoirs, sans contre-pouvoir, sur tout l'aménagement du territoire. Donc on est un peu gêné par le fait qu'il n'y ait pas de concertation avec les élus des 31 communes, enfin des 30 communes. La stratégie sociale, bon, après tout, pourquoi pas, mais on sent bien que c'est quand même ACM qui est majoritaire dans le dispositif, qui est donc a une volonté et la seule vocation, c'est de créer de l'habitat social. Et puis, autre souci aussi, c'est que ce dispositif qui est très centralisateur, que va-t-il devenir au fil des élections futures, et suivant qui le met en jeu. Et puis, une autre dernière aussi interrogation, est-ce que le fait de centraliser autant de pouvoir sur tout l'aménagement de la métropole est un gage d'efficacité? On entend souvent que la métropole, c'est pas très efficace, que c'est très lourd. Est-ce qu'on ne va pas créer encore une surstructure sur la structure qui échappe en fait à tout moyen de contrôle? Parce que j'ai oublié de dire que le dispositif de contrôle, il est bien noté dans les statuts, et figurez-vous que c'est du reporting régulier. Donc il y aura un petit constat ou un petit rapport annuel pour nous expliquer ce qui se passe. Et un des grands soucis quand même de sur l'immobilier, sur les constructions, de la part des habitants, sauf erreur, c'est de savoir que va devenir l'ensemble des terrains disponibles ou pas, les zones préservées et autres. Et donc, ça me paraît assez éloigné de la concertation nécessaire sur des grands projets immobiliers. Voilà, c'est pour ça qu'on est un peu gêné par le fait qu'il n'y ait pas de représentants, au moins des communes, et de contre-pouvoirs. Vous avez 3 heures devant vous, parce que je peux passer 3 heures si vous voulez. Vous connaissez ma position sur l'aménagement du territoire. Alors déjà, un petit rappel simple, c'est le maire qui délivre le permis de construire. Que la CERM décide de faire un immeuble ou pas, si c'est pas moi qui signe, il n'y aura jamais d'immeuble. On a la commune de Saint-Jean a le boom démographique le plus élevé du département. Alors on peut regarder le pourcentage, il y a une commune qui a un boom démographique de 50%, mais ils sont passés de 10 à 15 habitants. On va reprendre quelques chiffres. Avant la création de la ZAC, on était 7700 habitants. Chiffre officiel INSEE au 1er janvier, on est 11457. Officieusement, on tourne entre 13 000 et 13 500. On a fait un recensement total de la population au mois de janvier-février. On devrait avoir le résultat définitif que dans 2 ans et demi. Mais la projection INSEE était prévue à 16 000 habitants en 2025-2026. Comme je dis toujours, la carte postale de Saint-Jean, elle est très belle. Mais une fois que vous arrivez sur la commune, si vous n'avez pas les infrastructures, qu'elles soient sportives ou culturelles, ou les écoles, ou les aménagements routiers, comme le dit très bien Henri Fonvieille, il faut 10 ans pour faire une route et il faut 18 mois pour faire un immeuble. Et moi, depuis que je suis là, je vous rappelle, et je l'ai déjà rappelé la fois dernière, mais je vais quand même le rappeler, je n'ai signé qu'un seul permis sur la ZAC, c'est le lot 20, qui est
à proximité de la piscine. Les travaux n'ont toujours pas commencé. Étaient prévus 3 immeubles R plus 4. Donc R plus 4, c'est rez-de-chaussée, 4 étages en bord de route. J'ai fait réduire à un R plus 2 et 2 R plus 3 avec une crèche qui va accueillir 40 berceaux. Et sur les 40 berceaux, la ville en prend 20. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on est en manque. Et M. Trépeau, qui est en charge de la crèche en tant qu'élu, a une pile de demandes, d'attentes qui fait peur. Aujourd'hui, on est en manque de berceaux sur la ville. Alors certes, c'est un projet privé, mais vu que la ville va financer les berceaux, on aura nos dossiers et donc les Védasiens qu'on placera. On arrive sur la fin de la ZAC. Il reste donc le Lauvin qui va débuter premier coup de tractopelle en septembre. La tranche 5, donc le projet des Halles, je vous rappelle que sur ce parking-là était prévu 16 000 mètres carrés de logement. On va réduire entre 8 et 10 avec une place centrale qui fera 3 800 mètres carrés et un projet de halle R plus 3 qui permettra de connecter les différents quartiers de la ville. Moi, je me refuse d'être le maire où il y ait deux Saint-Jean dans Saint-Jean. L'ancien Saint-Jean, le nouveau Saint-Jean. Quelqu'un qui vient d'arriver sur la commune est védasien comme n'importe qui autour de cette table. Et le projet des Halles, c'est réduire le nombre de logements à cet endroit-là et créer de la vie et dynamiser les commerces de proximité. Ensuite, il y a le lot 21-22. Donc c'est en face du lot 20 sur, en long de la rue Paul Beltrame, à proximité de la Perrière. Et après, il reste un lot qui sera réalisé uniquement le jour où on aura déménagé la déchetterie. Vous savez, la déchetterie, aujourd'hui, c'est la métropole. Donc, tant que la déchetterie ne sera pas délocalisée, comme on le souhaite sur Marcel Dassault, et donc je me suis entretenu avec Nicolin, il y a 2-3 mois de ça, pour qu'on puisse, sur la Lauze et Marcel Dassault, avoir une déchetterie industrielle, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la métropole paye le ramassage des ordures sur la Lauze, c'est interdit. Un industriel doit traiter lui-même ses déchets. La collectivité n'a pas à le prendre en charge. Donc dans quelques mois, ça va changer. Et donc l'idée, c'est qu'on mutualise une déchetterie industrielle propre et qu'on puisse avoir une entrée pour les habitants de la métropole et principalement les Védasiens, parce qu'aujourd'hui, sur le territoire métropolitain, il me semble qu'on a 20 déchetteries. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir deux entrées, une pour les professionnels, une pour les Védasiens, du moins les métropolitains. La CERM, une fois qu'on a terminé la ZAC de Roquefreys, la CERM disparaît. Et ayant le boom démographique qu'on connaît aujourd'hui, moi aujourd'hui je travaille, on travaille le futur PLUI qui devrait être voté 2023, peut-être 24, peut-être 25, on n'a pas encore la date. Mais rassurez-vous, je ne vais pas faire comme certains le demandent à la métropole, faire du R plus 8 à Saint-Jean-de-Védas. Tout ce qui est hors ZAC de Roquefreys restera à R plus 1, soit 8 mètres de haut. On finit la ZAC. Aujourd'hui, on est au 1er janvier, on était à 14% de logements sociaux. La loi SRU, c'est l'article 55, définit 25% de logements sociaux. Aujourd'hui, sur les 31 communes de la métropole, toutes ne sont pas soumises à la loi SRU parce que les communes de moins de 3500 habitants n'ont pas de logements sociaux à faire. Et quand vous voyez Montpellier, tout ce qui se construit, aujourd'hui, Montpellier est à 24%. On arrivera de toute manière, jamais à faire 25% de logements sociaux. Il faut se le dire, il faut l'assumer. Prenez un exemple simple, la maison qui a été rasée rue de la mairie, en face de la mairie. Rasée, 3 logements. Sur les 3 logements, vous n'avez pas un logement social. Donc vous avez une maison, vous la tombez, vous en faites 3, ce qui fait 2 de plus. Et donc, quand on voit le prix du foncier aujourd'hui, il y a un terrain de 500 mètres carrés qui est parti il y a moins d'un mois. Il est parti à 793 € le mètre carré. 793 € le mètre carré. Aujourd'hui, l'immobilier à Saint-Jean, maison ou appartement, on est quasiment sur une moyenne à 4 500 € le mètre carré habitable. Il va y avoir un renouvellement urbain,
qui va s'opérer d'ici les 30 prochaines années. Aujourd'hui, à Saint-Jean-Védas, c'est moins cher d'acheter une villa, de la raser et de faire un programme immobilier que d'acheter le terrain comme il y a encore 20 ans en arrière. Monsieur Robin, vous habitez au Terral. Je ne vais pas donner l'adresse exacte, mais votre quartier, il a à peu près 30 ans. On est d'accord ? Dans 20 ans, votre maison, si vous la vendez, il sera peut-être plus rentable pour certains de la tomber, puisque ce n'est pas la superficie du terrain, mais de faire plusieurs programmes. Et aujourd'hui, ce qu'on va écrire dans le futur PLUI de la métropole, c'est comment on travaille le logement social. Aujourd'hui, le logement social, c'est à partir de 4 lots, vous êtes obligé de faire 25% de logement social. Et donc aujourd'hui, tout le monde n'en fait que 3. Parce que la gestion, et Madame Bruel peut le confirmer, c'est que c'est très compliqué. Donc on va appliquer une nouvelle règle. Tout programme qui dépassera 400 mètres carrés sera dans l'obligation de faire du logement social. Mais je sais ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est qu'on rasera, on fera 3 maisons, et qu'on additionnera 99 fois 3, ça fera 397 mètres carrés, on sera en dessous des 400, et on aura toujours ce retard de la loi SRU. Mais, vous savez, j'ai fait le calcul. Aujourd'hui, il nous manque 700 logements sociaux sur la ville. Et on paye on a payé cette année 216 000 euros de pénalité, c'est ça, monsieur Piau ? Actualisé, 216 000. Je prends l'exemple de l'école Jean d'Ormesson. Quatrième école, quand on a ouvert l'école, ça nous a coûté en frais de personnel 350 000 euros de plus. Et donc, si demain on faisait 700 logements supplémentaires, faites le calcul de service public. 350 000 euros de frais de personnel. Une école, c'est à peu près 6 millions d'euros à la construction. Vous y rajoutez, allez, un truc tout simple, on a 700 élèves par jour qui mangent à la cantine sur les, 1200 élèves inscrits. Aujourd'hui, un repas coûte, charge comprise, 8 euros le repas. Le parent qui paye le plus cher pour son enfant ou ses enfants, c'est 3,10 euros, 3,16 euros, j'ai plus la virgule près. Donc ça veut dire que reste à charge à la ville 5 euros. Et donc finalement, mais je l'ai dit au préfet, et tous les maires, on est tous d'accord avec ça, c'est que finalement, les pénalités aujourd'hui nous coûtent moins cher que si on répondait à la loi SRU. Et on est quand même dans une métropole qui est complètement dingue, c'est qu'on a la métropole avec le boom démographique le plus élevé de France, plus de 2 points par an, alors que les moyennes nationales sont à 0,4. On a beau faire de la production de logements, les prix de l'immobilier ne baissent pas. Ça ne baisse pas. Et vous pouvez construire. Et ben moi, aujourd'hui, première couronne Montpellier-Rennes, je finis la ZAC, et je pense que l'ensemble du groupe est d'accord avec ça. Après, vous, c'est différent. Si vous voulez continuer de développer la ville sur un autre quartier, comme la Condamine, ou faire du R+8 vers Victoire 2, parce que moi, un R+8 à Victoire 2, on me l'a proposé quand même. On m'a proposé, il y a quelques mois, de modifier le PLU. On m'a dit, tu fais modifier le PLU à la métropole, et puis là, à côté de Victoire 2, il y a le tram, demain, il y aura le com qui va arriver, proximité de la 9, zone commerciale, on peut y créer une école pour des étudiants ou autre, et on fait un R+8. Et quand, quand la même personne a proposé ça à mon collègue Joël, maire de Montaut, il a dit R+8, déjà que lui, si demain, il avait un R+2 ou un R+3, il ferait un malaise, un R+8. En tout cas, tant que je serai maire, il n'y aura pas de R+8 à Saint-Jean. Et on finit la ZAC, on clôture. Merci, au revoir. Et maintenant, vous allez construire ailleurs. Voilà. Et ça, c'est ma position. Elle est ferme et définitive. Monsieur Robin, je vous redonne la parole. Non, c'est juste, du coup, à quoi sert cette superstructure, la société de coordination, chapeau, avec tout ce que vous venez de dire. Donc, tant mieux si vous gardez la main sur notre territoire à nous. Mais à quoi va servir cette espèce de schmilblick supplémentaire qui va encore complexifier ? Parce que le travail en silo, c'est le propre de l'administration en général. Et ce n'est pas le fait de mettre une coiffe par-dessus qui va éviter les silos. Ce sera les silos plus un super silo par-dessus. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une usine à gaz. Justement, il y a 3 entités.
trois directeurs différents. Donc, sauf que là, on était dans un cas particulier. On avait M. Gray qui était ACM et CERM. Et donc, on n'en fait plus qu'un. Souvent, on parle de la lourdeur administrative. Comme je dis souvent, il y a le temps de l'administrer et le temps de l'administration. L'administration, aujourd'hui, à l'échelle métropolitaine, c'est d'aller un peu plus vite. Moi, je le vois sur ce qui se passe sur la ZAC de Roquefraisse. Il y a des choses qui sont encore propriétés de la CERM. Ça veut dire que la CERM ne rend l'espace public à la collectivité que quand la tranche est terminée. Parce qu'il faut faire la distinction entre le lot et la tranche. Vous avez une quarantaine de lots, mais qui sont sur 5 tranches. Et donc la CERM disparaît de la tranche une fois que la tranche est complètement terminée. Et vous avez le cas des poubelles. Vous savez, les poubelles publiques. Vous avez dans la ZAC aujourd'hui des poubelles qui sont de la gestion, on va dire, métropolitaine, et d'autres, comme la concession est toujours à la CERM, c'est Nicolin qui en a la compétence. Et ça veut dire que d'une rue à l'autre, vous avez un agent de la collectivité qui vient ramasser la poubelle, du moins la vider, et il faut attendre plusieurs jours pour que la poubelle d'en face soit vidée par le groupe Nicolin. C'est une usine à gaz, on est entièrement d'accord, mais aujourd'hui on en est là. Et donc c'est pour ça qu'une fois qu'on aura fini avec la CERM, Saint-Jean-Védas, en tout cas pour ma part, on n'aura plus affaire à la CERM, ou du moins à cette nouvelle entité que je viens de vous présenter. Quelqu'un d'autre ? Je soumets donc aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Donc votre groupe. Qui s'abstient ? Vous deux. Adopté pour le reste. Merci beaucoup. Question numéro 4, question environnementale. Je vais donc laisser la parole à Madame Passera de la Chapelle sur l'atlas de la biodiversité métropolitaine. Il faut appuyer. Voilà, tac, tac. C'est bon. Bonsoir à tous. La commune de Saint-Jean-de-Védas, 11 000 habitants, fait partie des communes constituant Montpellier Méditerranée Métropole, ou 3M. Ce territoire est situé au sein du bassin méditerranéen, considéré comme l'un des 35 hotspots ou points chauds mondiaux de biodiversité particulièrement riches. Le dynamisme démographique soutenu depuis les dernières décennies a particulièrement modifié l'aménagement du territoire et a engendré des pressions importantes sur le patrimoine naturel. Face à l'érosion de la biodiversité, tant à l'échelle nationale que locale, la réglementation a renforcé la prise en compte de la biodiversité dans le cadre de la planification et de l'aménagement du territoire. Le schéma de cohérence territoriale, ou SCOT, de 3M, approuvé le 18 novembre 2019, tient compte de cet enjeu, notamment à travers l'élaboration de la trame verte et bleue, ou TVB, la définition des prescriptions réglementaires visant à garantir la fonctionnalité écologique de ces espaces, l'application de la séquence éviter, réduire, compenser, ou ERC, dont l'étape éviter constitue une étape importante fondatrice du SCOT, la définition d'une stratégie d'anticipation des mesures compensatoires. Le plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, climat, en cours d'élaboration, poursuit cette démarche ambitieuse au travers des objectifs opérationnels dont la préservation de l'urbanisme, l'inscription de la TVB, trame verte et bleue, au sein d'un zonage indicé, le maintien d'une part significative d'espaces perméables dans les zones urbaines. En parallèle, Saint-Jean-de-Védas a engagé diverses actions en faveur de l'environnement. Les 6 cours d'école municipales seront désimperméabilisées et massivement végétalisées. Ces travaux réalisés de 2022 à 2024. L'enjeu, désengorger les réseaux d'eau pluviale, favoriser la biodiversité au cœur des quartiers et réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain. La préemption de parcelles en zone agricole ou naturelle permet de maîtriser
du foncier pour des actions de réintroduction de l'agriculture ou du pastoralisme. La Maison de la Nature, projet en cours de création, permettra de sensibiliser le grand public et les scolaires sur le bienfait des actions engagées en faveur de la biodiversité et de l'environnement. Le parc du Terral sera ainsi valorisé et enrichi. Enfin, la commune a passé une convention avec le Conservatoire d'espaces naturels pour être accompagnée dans ses actions diverses. L'Office français de biodiversité, ou OFB, a relancé début 2022 un appel à projet destiné aux communes souhaitant développer un atlas de la biodiversité communale. Cette démarche offre la possibilité aux collectivités d'approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel et ses enjeux à travers la mobilisation des acteurs du territoire. Cet atlas de biodiversité comporte 4 principaux volets. Élaboration de l'état des connaissances disponibles sur la biodiversité en vue de déterminer les espèces et les milieux à inventorier, ainsi qu'un plan de prospection adapté. Le lancement d'animation de la démarche à travers des programmes de sciences participatives destinés aux citoyens scolaires et scolaires, la réalisation de l'Atlas de la biodiversité métropolitain permettant d'affiner la connaissance de la biodiversité et des enjeux du territoire, la définition d'un programme d'action post-Atlas biodiversité métropolitain. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les politiques et projets portés par la métropole et ses communes et a été définie conjointement lors d'un atelier partenarial de travail. Il s'agit précisément d'améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel, de fédérer et sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire, de partager et valoriser le patrimoine naturel local, d'associer les services métropolitains et communaux dans cette démarche et de former à la biodiversité, d'étayer et d'affiner l'intégration des enjeux écologiques dans les documents de planification territoriale, d'acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie biodiversité avec le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, d'agir davantage sur le long terme, d'aboutir à la mise en place d'un observatoire. Afin d'atteindre ces objectifs, la commune de Saint-Jean-de-Vétas apporte son soutien et son appui à la candidature de Montpellier Méditerranée Métropole à l'appel à projet Atlas de la biodiversité. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur cette affaire et le cas échéant de soutenir la candidature de Montpellier Méditerranée Métropole à l'appel à projet Atlas de la biodiversité communale et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Après une belle présentation si complète, y a-t-il des questions ? Madame Homs, on vous écoute. J'ai plusieurs questions concernant donc ce magnifique texte. Je voudrais, quand vous avez commencé donc à détailler cet atlas, vous avez parlé du SCOT. Le SCOT date de 2019. Je voudrais savoir où en est la trame verte et bleue depuis donc 2019. Qu'est-ce qui a été fait, où ça en est, et est-ce qu'on a avancé en la matière? C'est ma première question et j'en ai d'autres. Posez toutes les questions et puis je vais vous répondre. Oui, allez-y. Voilà, et la lumière refuse. Alors, la seconde question, c'est concernant le PLUI.
certains points méritent un petit développement. Que signifie la préservation de l'urbanisation pour les sites à enjeu ? On aimerait déjà savoir quels sont les sites à enjeu et que signifie surtout la préservation de l'urbanisation. Le second point qui concerne le PLU, on parle du maintien d'une part significative de 50% de sol perméable en zone urbaine. Alors, par exemple, si on s'en tient à la commune de Saint-Jean-de-Védas, pourquoi alors, dans ce cas-là, continue-t-on à construire donc autour du terminus du tram ? Pourquoi fait-on la maison du service jeunesse alors qu'il y a une zone qui est libre et sur laquelle on pourrait faire par exemple des jardins partagés ? Enfin voilà, ce genre de choses pour maintenir des sols perméables. Je ne pense pas qu'on atteigne 50%. Et alors, ma troisième question. Vous parlez aussi on cite les parcelles en zone agricole ou naturelle. Est-ce que vous pourriez nous dire combien vous en avez acheté sur la commune de Saint-Jean et qu'en a-t-on fait ? Donc, le parc du Terral est cité comme réserve de biodiversité. Alors, on se posait la question de savoir comment sera-t-il enrichi. Et est-ce que de l'ouvrir, parce que bon, tout le monde sait que c'est un réservoir quand même de biodiversité qui était maintenu jusqu'à présent, évidemment pas assez ouvert, mais bon, pas assez fréquenté peut-être, mais bon, est-ce que vous ne pensez pas que ce qui s'y fait, ce qui s'est construit et qui plaît énormément aux enfants, les cabanes dans les arbres, est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de choses va poser problème justement pour la sauvegarde de la biodiversité par le bruit, par une fréquentation supplémentaire, voilà, ça pourrait être le cas. Donc voilà, ce sont mes questions auxquelles j'aimerais une réponse, s'il vous plaît. Merci. Allez, c'est parti. Le SCOT 2019. Alors, le SCOT 2019, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le schéma de cohérence territoriale. Il définit un principe à l'échelle métropolitaine de comment on doit aménager notre territoire. Le PLU, tant qu'à lui. Définit vraiment parcelle par parcelle et zone par zone ce qu'on peut construire, à quelle hauteur. Il y a une nouvelle loi qui est sortie sur la préservation des sols. Donc aujourd'hui, les espaces naturels, en tout cas, aujourd'hui la métropole de Montpellier est quasiment au taquet de son non-urbanisation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la volonté, en tout cas, ce que impose un peu la loi, c'est la verticalité. C'est-à-dire qu'on ne peut aujourd'hui finalement que construire sur la hauteur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, la hauteur, on va s'arrêter là. Sauf qu'aujourd'hui, la CERM, le projet de la ZAC de Roquefraie, c'est 2007. C'est assez vieux comme projet. Et la première livraison a eu lieu en 2013. Donc, la ZAC de Roquefraie, aujourd'hui, ne rentre pas dans ces critères de on arrête la ZAC parce que sauf qu'aujourd'hui là où on va construire les halles, vous êtes sur un terrain qui est déjà entre guillemets urbanisé, c'est un parking, on n'est pas sur un espace naturel et on va planter, et sur la place publique on va planter 80 arbres, on va végétaliser, on va avoir encore plus d'arbres qui vont être sur cette place que ce qu'on a actuellement. Vous voulez qu'on parle des arbres qui ont été plantés avant mon élection sur la ZAC de Roquefraie, qui n'étaient pas du tout entretenus, qui sont morts, qu'on est obligé de changer tous les 2 ans ? Oui, mais le problème, c'est que quand on plante un arbre, madame, c'est qu'il faut être en mesure au moins de l'arroser les 3 premières années. Une fois que les 3 ans sont passés, l'arbre a fait racine et après, on n'a plus besoin de s'en occuper. Alors, c'est facile de planter des arbres, mais si derrière, on n'entretient pas,
On se retrouve. Non, monsieur de Beaugenin, je réponds aux questions. Si vous voulez la parole, vous levez la main et je vous donne la parole après. Voilà. Donc, monsieur de Beaugenin, je finis de répondre à madame Holmes et vous aurez la parole. Donc là, c'est le SCOT. Le PLUI, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le PLUI n'est toujours pas voté. Mais en tout cas, la volonté de la ville, de notre groupe, c'est d'arrêter l'urbanisation à Saint-Jean-de-Védas. Mais si on va au-delà de Saint-Jean-de-Védas, ce qui pose problème aujourd'hui à l'échelle départementale, c'est que les autres communautés de communes, donc les COMCOM ou les EPICI, comme on les appelle, on est la seule métropole sur le département, commencent un petit peu à paniquer parce qu'ils se disent aujourd'hui, la métropole de Montpellier ne pourra quasiment plus urbaniser. Et donc, eux, ils craignent que finalement la loi leur impose d'urbaniser sur leur territoire. Mais en tout cas, sur la métropole, nous sommes quasiment arrivés à bout de l'urbanisation par rapport à ce que la loi nous permet. Et je vous dis, le PLUI sera voté 23, 24, 25, on n'a pas encore la date. Nous, en tout cas, bon, M. Van Nessel n'est pas là ce soir, mais en tout cas, avec lui et l'ensemble des services, on a bien travaillé avec les services de la métropole, justement, pour protéger Saint-Jean de l'urbanisation à outrance qu'on pourrait connaître. Alors, les sites en jeu, aujourd'hui, comme vous allez avoir le COM qui est déjà sur... dire la ligne qui existe, hein, le rond-point de Chipolet jusqu'à Carrefour, vous aurez 200 hectares de coulées vertes à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on bloque l'urbanisation après le stade de foot et on bloque l'urbanisation entre Ovalie et le rond-point d'action. Ce qui était le cas, mais là, maintenant, c'est vraiment inscrit dans le SCOT et ce sera inscrit dans le PLUI. Voilà. Donc 50% des sols urbanisés, ça, je vous en ai parlé. Léa, j'en ai parlé. Le centre jeunesse. Alors, le centre jeunesse, il faut bien faire un nouveau centre jeunesse, et on le fait à cet endroit-là parce que nous sommes propriétaires du terrain. Aujourd'hui, ce terrain-là, oui, on pourrait faire des jardins potagers, mais on peut les faire aussi ailleurs. Sauf que c'est un terrain qui a été légué à la ville il y a très très longtemps, et la clause, aujourd'hui, c'est uniquement de l'équipement public. Vous ne pouvez pas faire de l'urbanisation. Mais comme on peut faire les jardins partagés sur la future coulée verte, comme on peut l'agrandir au parc de la Capoulière, comme on peut... Mais à cet endroit-là, des jardins partagés dans une zone qui est résidentielle, généralement, les gens qui ont des résidences, ils ont leur potager. Je vois Jacques Bruguère, je vous remercie, parce que souvent, quand je rentre le soir chez moi, j'ai ma feuille de salade avec les tomates. Voilà. Quelqu'un qui habite dans une résidence, oui, ça vaut le coup d'avoir un jardin potager. Sauf que là, vous êtes sur une zone où vous êtes quand même dans une zone qui est très résidentielle. Parce que même si vous traversez la M613, vous avez Super U et Total, vous rentrez, et les premières constructions de Roquefraisse, vous n'êtes pas encore sur des immeubles principalement, vous êtes plutôt sur des petites maisons individuelles avec des petites parcelles, avec des petits jardins. Et donc un jardin potager à cet endroit-là, il faut déjà gérer la Capoulière. La Capoulière, aujourd'hui, on a une belle association, mais ça prend du temps pour le monde associatif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « je veux une parcelle » et puis finalement, on la laisse à l'abandon. Et derrière, il y a aussi les espaces verts de la ville qui viennent ouvrir les barrières, qui viennent déposer le fumier, qui viennent ramasser aussi quand on coupe des branches, quand son pied de tomate en septembre est mort, il faut l'arracher. Donc il y a déjà aussi un travail fait par les services techniques. Et faire un autre lieu à cet endroit-là, quand je vois le travail formidable que font nos agents, ce serait quand même une charge supplémentaire. Donc, en tout cas, moi, j'ai fait le choix. Et quand je vois l'augmentation des prix aujourd'hui de construction, on est à peu près sur une moyenne entre 24 et 30% d'augmentation des prix. Et je ne parle pas de la manque de main-d'œuvre qu'on peut avoir. Quand on voit le prix du foncier qui explose, je suis quand même heureux d'avoir une petite parcelle, petite assez grande, un demi-terrain de foot, qui va nous permettre d'accueillir un joli centre jeunesse. Alors je dis centre jeunesse, mais c'est pôle jeunesse parce qu'il y aura aussi le RAM la journée. Ça j'ai répondu. Sur le terral, alors vous dites vous-même que c'est pas assez ouvert. Moi je trouve qu'on a un lieu qui est magnifique. Je m'y balade souvent et je trouve qu'aujourd'hui, les gens qui y vont sont respectueux du parc. Il n'y a pas de problème, on a deux gardiens, on aura la maison de la nature demain. Et je trouve que quand on a un parc aussi beau, il faut qu'il soit ouvert. Voilà. Et je vous donne... Euh,
Oui, 8h22. Voilà, c'est un souci, c'est une crainte, quoi. C'est pas un reproche, loin de là. Ah non, mais là, on va faire une expérience pour cet été. Le parc sera ouvert de 8h à 22h. Et vous avez un gardien qui surveillera ? Oui, il y aura quelqu'un qui ouvrira, qui fermera, qui tournera de temps en temps. Il y a aussi les agents des espaces verts qui tournent, qui travaillent. Madame Passard de la Chapelle, il y a beaucoup dans ce parc. Donc oui, il y aura toujours quelqu'un. Et voilà, c'est bon pour les réponses. Monsieur de Boisgenin, on vous écoute. Les zones agricoles, Pour l'instant, les on est oui, c'est vrai qu'il y avait aussi la question sur les zones agricoles. Donc pour l'instant, on achète, à chaque fois qu'il y a un propriétaire qui vend une parcelle à proximité, dans la garrigue, mais à proximité de l'urbanisation, en tout cas, on achète pour être sûr que demain, il n'y ait pas de construction qui peuvent être opérées. Mais pour le moment, vous en avez combien alors ? Alors là, je n'ai pas le chiffre, mais on peut se le noter et vous l'envoyer. Vous avez le chiffre en tête ? Il faut peut-être que j'appuie, là. Dites-moi. De mémoire, je n'ai plus, moi, de tête, ce chiffre. Donc, depuis mon arrivée, de mémoire, on en a acheté deux. Hein. Madame Passera, je ne sais pas si c'est ça. On en a acheté deux et on travaille avec le Conservatoire des espaces naturels pour réinvestir ces parcelles, soit en mettant à disposition d'agriculteurs. Il y a une possibilité d'éleveurs de moutons, c'est ça, hein, d'éleveurs de moutons. Donc on travaille, on a signé une convention avec le CEN et qui est passé au Conseil il n'y a pas très longtemps. Et ça nous permet de travailler d'une façon cohérente avec l'ensemble des acteurs. Et par contre, un chiffre que je maîtrise bien, c'est que la garrigue aujourd'hui, la mairie est propriétaire de 5% de la garrigue et 95% restant, c'est famille de propriétaires privés. Monsieur de Boisgenin, on vous écoute. Oui, juste une petite précision. Vous avez évoqué et vous avez comparé les deux municipalités qui se sont succédées concernant les arbres morts avenue Georges Clémenceau. Je suppose, à moins qu'il y ait un autre endroit où des arbres... Bon, vous ne parlez pas de Clémenceau, mais à Clémenceau, il y a des arbres qui ont été plantés, des arbres morts qui ont remplacé d'autres arbres morts. Et ça, c'était sous votre mandature, et vous savez très bien que c'est la métropole sur Clémenceau qui s'occupe de ces espaces verts, et pas notre municipalité, pas plus la nôtre que la vôtre. Mais nous avons, quand nous étions aux affaires, la métropole a planté des arbres vivants. Vous, sous votre responsabilité, la métropole a remplacé des arbres morts par des arbres morts, avenue Georges Clémenceau. Donc nous comparons et je vous la... J'ai pas entendu la fin. Ah d'accord, ok. Merci pour cette précision. Ouais, on va noter, monsieur le DGS, je vous laisse noter qu'on a remplacé des arbres morts par des arbres morts. D'accord. On a planté cette année, on est sur une moyenne de 300 arbres par an, à peu près. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions ? Cet atlas, il est censé recenser la biodiversité. Hein, ça sera ça, principalement. Moi, ce qui m'étonne, c'est que depuis 30 ans, il y a quand même des études universitaires qui ont fait ce même travail. Et donc je ne vois pas pourquoi on fait un énième atlas de la biodiversité à l'intent T quand, comme on parlait tout à l'heure des zones imperméables, vous prenez sur Montpellier la Providence, il y avait un beau terrain, il y avait de beaux arbres et puis maintenant il y a de beaux édifices bien bétonnés, quoi. Donc voilà, c'est... Pour moi, c'est unique. Pour nous, je veux dire, c'est uniquement de la communication et qui ne servira à rien. Voilà. D'accord. Merci. Je vous remercie, Madame. Je soumets donc aux voix qui ne prend pas part au vote, qui vote contre, 4, qui s'abstient. Madame Isona
adopté pour le reste. Merci beaucoup. Subvention de fonctionnement 2022 à l'association Saint-Jean Cœur de Ville. Je laisse donc la parole à Monsieur Yvain. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Comme à chaque conseil municipal, les délibérations proposant des subventions à nos associations sont l'occasion de rappeler et de réaffirmer la contribution essentielle qui est la leur dans l'animation de notre commune et le développement de nos liens sociaux. C'est pourquoi notre majorité met un point d'honneur à soutenir les initiatives portées par les acteurs associatifs dans différents domaines, que ce soit sportifs, artistiques, culturels, sociaux ou encore solidaires. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'accueillir une nouvelle association, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, sur notre territoire, l'association Saint-Jean Cœur de Ville, association qui regroupe les commerçants de Saint-Jean, qui sont ô combien précieux pour notre territoire et que nous saluons. Aussi, par la présente délibération, Monsieur le maire propose à notre conseil d'accorder à cette nouvelle association, à qui nous souhaitons une belle et longue vie associative, une subvention de fonctionnement de 500 euros. Il est à noter que, si cette subvention est approuvée, le montant des aides 2022 attribuées à ce jour au titre des subventions de fonctionnement sera de 70 930 euros. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Madame Vessiot, allez-y appuyer. Juste savoir, monsieur le maire adjoint, cette association, elle compte à peu près combien de commerçants par rapport à tous les commerçants sur la commune ? 50, une centaine, est-ce que... Alors, comme elle est toute nouvelle. Non, mais je vais vous répondre. Aujourd'hui, oui. Ils sont quasiment 80. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est plus sur... comme c'est une activité économique, à la base, c'est regroupement de commerçants. C'est plutôt M. Piau qui y travaille. D'accord. Mais c'est vrai que sur la subvention, c'est pour... On tape dans l'enveloppe de d'accord. M. Yves. Donc, à peu près 80 ouais, ils sont à peu près 80, voilà. Mais après, il y a quand même des liens entre... entre l'élu et le président que vous connaissez très bien. Parce qu'il y en avait une, si je ne me trompe pas, monsieur le maire, avant une il y en avait une mais comme, il y a quelques années. Hein, qui a, mais comme, qui a elle était, comme elle avait... Alors on va pas, moi, je ne vais pas parler du passé, mais... Non, mais elle a périclité. Comme elle n'avait pas été vraiment soutenue, écoutée, voilà. Elle avait préféré fermer. D'accord. Aujourd'hui, le travail que je fais avec André Deljari et ses services de la CCI, c'est qu'on a quand même un territoire qui est riche d'entreprises, 2782. Et notre volonté, en tout cas, c'est d'avoir trois associations d'entreprises. La première qui vient de se créer, donc Saint-Jean Cœur de Ville. Donc c'est tous les commerces qui partent de la station de service Total, l'Orté, l'Endurant, jusqu'à Direction Fabrique. Voilà, tous les petits commerces de proximité qu'on peut donc connaître. Donc à peu près 80, là, monsieur le maire. C'est à peu près 80. D'accord. Ensuite, on a eu une première réunion de travail avec des chefs d'entreprise de la Lauze. Pour qu'on puisse aussi créer une association sur la Lauze. Et après, l'idée, c'est d'en créer une troisième qui serait, on va dire, la Condamine, la Perrière, la Clinique et le rond-point du Haut-Couvent. En sachant qu'on a une... Ça va être un petit peu plus compliqué sur Condamine parce que vous avez des grandes enseignes et souvent les directeurs ne sont, finalement sont directeurs d'entreprise mais ne sont pas des chefs d'entreprise. Contrairement à la Lauze où vous avez des gens qui ont vraiment... qui sont vraiment leurs propres chefs d'entreprise, qui ont mis les moyens, qui sont là depuis des années et des années. Un directeur à Carrefour, c'est il est là entre 2 et 5 ans. Oui, et c'est vrai qu'ils sont moins dans cette dynamique-là qu'on peut avoir sur d'autres secteurs. Et c'est pour ça que le choix politique était plutôt de faire trois associations. Donc la première, c'était l'association des commerçants du village, parce qu'il ne faut pas qu'on perde de temps avec eux, parce que je pense qu'ils ont beaucoup à nous apporter aussi sur le projet des Halles. Et aujourd'hui, il faut qu'une fois qu'on aura fini, qu'on aura lancé le projet idéal, il faudra aussi qu'on travaille sur comment on réaménage la place de l'Orté. Parce qu'aujourd'hui, quand vous sortez de l'Orté, vous avez finalement un flux de voitures plus important qui sort de Roquefraise que de gens qui sortent du cœur du village. Et je pense qu'il faut qu'on requalifie ce carrefour-là et comment on retravaille l'Orté aujourd'hui qui finalement vit très peu. Le jeudi matin, vous avez... un ou deux camions pour le marché. Le samedi, il est bien rempli, ça se passe bien, il y a du monde. Mais c'est vrai que finalement, vous avez des agences immobilières, des banques, vous avez finalement très peu de commerce de proximité. Et c'est comment demain on travaillera l'Endurant, l'Orté et les Halles. Qu'on fasse finalement comme un croissant qui permette d'avoir une zone d'activité de commerce de proximité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix et qu'on travaille avec cette nouvelle association qui est pleine d'idées, pleine d'envie. Et en tout cas, on les accompagne depuis maintenant deux mois. C'était au dernier conseil, il y avait justement leur assemblée générale. Voilà.
Pas d'autres interventions. Je soumets donc aux voix. Qui ne prend pas part au vote, qui vote contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci pour eux. Madame Vessiot, vous m'avez envoyé des questions. Je vous laisse donc. On a épuisé l'ordre du jour, donc maintenant, question. Alors attendez, j'appuie sur le bouton et on vous écoute. Oui, au nom du groupe Vision Védasienne, une question orale écrite, monsieur le maire, merci de nous donner le micro. Nous tenons à ce que Saint-Jean-de-Véda soit dignement représenté par ses élus, et notamment le premier d'entre eux, lors de démarches, manifestations ou toute autre action politique à la commune. Afin d'éviter les polémiques et de rassurer les citoyens sur la parfaite honnêteté de ses élus, nous demandons que soient précisés devant ce CM les éléments suivants. Quels frais de représentation pour un élu sont autorisés et par quels articles, décrets ou autres textes? Qui, au sein de la collectivité et hors de la collectivité, est en charge de la vérification de ces frais, à savoir facture avec montant et détail des frais engagés, lieu et motif de la représentation, comment ces frais sont-ils remboursés? Une indemnité mensuelle de 300 euros a été votée en début de mandat pour frais de représentation du maire de Saint-Jean-de-Véda. C'est versé en totalité en 2021, soit 3 600 euros annuels. Les frais engagés ont-ils été supérieurs à ce forfait de combien? Les frais engagés ont-ils été inférieurs à 3 600 euros? Et dans ce cas, comment le montant trop perçu a-t-il été restitué à la collectivité? Voilà notre question au nom de Vision Védasienne, monsieur le maire. Eh bien, je vais vous répondre. Donc, les frais de représentation des élus locaux sont autorisés par l'article L2123-19 qui indique que le conseil municipal peut voter sur les ressources ordinaires des indemnités au maire pour frais de représentation. Un état annuel est dressé chaque année par les services municipaux sur le montant des justificatifs fournis par rapport à la somme attribuée suite au vote du conseil municipal en septembre 2020. Pour l'année 2020, le montant des frais est de 552,24 euros, soit un total versé de 1104,66 euros. Un titre de recette correspondant au delta a été émis à mon encontre, donc de 552,42 euros. Pour l'année 2021, le montant des frais est de 2570,25 euros, soit un total versé versé de 3600 euros, un titre de recette correspondant au delta a été émis à mon encontre de 1029,75 euros. Dès que je reçois le titre, parce que je ne fais pas directement le chèque à la mairie, ça part à la régie, il m'envoie un document, je remplis le document et je renvoie. Donc voilà où on en est. Madame Misona, on vous écoute. Alors, on va rester sur le même sujet, puisque ça concerne les deux questions. La première question. La question ci-dessous vous est posée personnellement, monsieur le maire, et non à votre adjoint, comme vous l'avez laissé parler la dernière fois, puisqu'il s'agit de dépenses que vous avez effectuées personnellement au moyen de l'enveloppe de 3600 euros qui vous est personnellement attribuée. C'est donc à vous qu'il appartient de justifier vos dépenses personnelles par une réponse personnelle. La délibération du 10 septembre 2020, que nous avons votée, les groupes d'opposition de l'époque ont voté contre, vise les dépenses que le maire supporte personnellement à raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. Tel n'est pas le cas des factures dont la liste suit, car ce sont essentiellement des dépenses pour des repas du maire avec ses adjoints ou les chefs d'administration. Les frais de réception ou manifestation organisés par le maire dans le cadre de ses fonctions sont totalement étrangers aux frais ordinaires de bouche du maire et ne peuvent servir au repas des élus, alors qu'aucune réception ou manifestation conforme à la délibération n'est organisée à l'occasion de cette dépense. Le sens de la délibération visait nécessairement des réceptions ou manifestations organisées avec des tiers et non avec des élus. D'ailleurs, dans le tableau Excel que m'a fourni monsieur le DGS pour les années 2020 et 2021, enfin tableau que j'ai reçu récemment, le mois dernier, depuis que j'ai demandé à les consulter, ces dépenses sont qualifiées repas de travail. Une seule est qualifiée de représentation. Or, les frais de représentation...
Or, les frais de représentation ne sont pas destinés donc, à payer, etc., etc. Ça, je viens de le dire. Les frais de représentation ne sont pas destinés à payer les repas du maire et de ses invités adjoints. Et s'agissant d'élus travaillant ensemble au siège de la commune, il n'est nul besoin d'aller au restaurant pour travailler. Les locaux communaux servent à ça. C'est d'ailleurs amusant de constater que certains repas sont pris, je cite hein, la justification, pour faire le point après une réunion de travail. Et on ne voit pas en quoi cette dépense est justifiée, sauf pour le plaisir de se retrouver au restaurant après un travail entre élus. Il convient de préciser que ce genre de dépense est intégrée dans l'indemnité perçue par le maire et l'indemnité que perçoivent les adjoints et n'a donc pas à être payée par les fonds publics. Je considère que les dépenses dans la liste suit et qui ont été payées au maire doivent être remboursées à la collectivité. Repas après réunion avec le directeur de cabinet pour 61,20 €, un repas à emporter après le tournage du clip de communication pour un soutien aux commerçants avec le directeur de cabinet, 16 € à emporter, un repas de réunion de travail au restaurant avec directeur de cabinet et l'adjoint à l'urbanisme, 93,80 €, un repas après les conseils de métropole avec les élus ou directeurs de cabinet, 97,90 €, repas après une réunion avec DGS et directeur de cabinet, 57 €. Différents repas au total avec adjoint ou seul à emporter, 347,95 €. Livraison de pizza à votre domicile, monsieur le maire, ah là, après une commission. Je fais une parenthèse de suite, comme ça au moins on évacue. Et à aucun moment je me suis fait livrer une pizza chez moi. En voyant la date, réunion de travail avec madame Fabry, avec les infirmiers et infirmières de la ville, pour le lancement le 8 décembre dans la salle des granges pour le test pour les Védasiens, il y a réunion de travail en mairie avec eux et on s'est fait oui livrer mais jamais mon domicile. Je parce préfère que le dire maintenant parce c'est, que c'est noté. Livraison chez Védas Pizza, c'est marqué. Ils mettent livraison. C'est marqué voilà livraison et c'est en justification après une commission, donc post commission et c'est effectivement marqué votre adresse en adresse de livraison. Repas sans indication de motif ou de participant pour un montant total de 529,60 €. Et enfin, achat de vêtements et sous-vêtements pour 841,24 € sur une année. En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander si, compte tenu des précisions apportées, vous acceptez de rembourser à la collectivité la somme de 2096,69 €, montant des factures ci-dessus. Je vous précise qu'en cas de refus de votre part, je saisirai le tribunal administratif de cette demande de remboursement, car cette juridiction est compétente pour estimer si vos dépenses entrent dans le cadre de la délibération du 10 septembre 2020, puisque c'est en fait la jurisprudence hein, qui cerne les frais de représentation. Ils ne sont pas ciblés pour répondre aux autres élus. Je vous pose la deuxième question. Par un mail du 15 juin 2022... le DGS m'a apporté des éléments de réponse sur les frais de représentation de monsieur le maire et y a joint, je le disais, un fichier Excel au titre de l'année 2020-2021. J'ai tellement eu de mal à avoir les justificatifs qu'il a fallu 2 ans et qu'il y a un récap des frais qui arrive juste en 2022. Hein. Je tiens à préciser avant ma question que vous vous étiez engagé à publier les frais à ma demande lors du conseil du 10 septembre 2020, que vous ne l'avez pas fait. J'ai demandé à consulter les justificatifs de 2020 en 2021, avril 2021. Vous ne m'avez pas répondu. Le 21 janvier de cette année 2022, j'ai demandé à consulter les justificatifs de 2021. Pas de réponse. J'ai dû réitérer ma demande le 4 février. Votre directeur de cabinet m'a cette fois répondu et informé que vous aviez saisi la CADA. Alors même que les justificatifs de frais sont des pièces annexées au compte de la commune et donc communicables à toute personne qui en fait la demande. Donc ça vous a traîné afin que je puisse les avoir le plus tardivement possible. Vous m'avez informé le 5 mai que des photocopies étaient dans ma boîte aux lettres de la mairie. Après l'examen de ces documents, je vous ai sollicité par mail sur différents points extrêmement importants. Je constate quand même, suite à mes demandes et remarques, qu'un bilan général a été effectué en tenant compte de mes interrogations, que la facture qui était dans les justificatifs qu'on m'avait transmis du 25 août 2020 était antérieure à la délibération, elle a donc été retirée des frais, que le ticket de carte bleue de 101,91 € sans facture a été écarté également, mais surtout que les sommes touchées indûment en 2020 et en 2021 vous sont réclamées. En effet, monsieur le maire, vous aviez perçu 1582,17 € de fonds publics sans justification pour 2020 et 2021.
Donc, dans le mail du 15 juin, monsieur le DGS m'informait que les services financiers avaient émis à votre encontre un titre des recettes de 552,42 € pour l'année 2020 et pour l'année 2021, 1029,75 €. Donc là, ma question, c'était où en étiez-vous ? Avez-vous remboursé ces sommes à la collectivité ? J'ai l'impression que si j'avais rien demandé, ces sommes, elles seraient toujours chez vous, monsieur le maire. Bon, c'est quand même déplacé de dire ça. Je ne vais quand même pas vous envoyer les notes tous les mois. Concernant les mails, vous en envoyez, je pense, tellement que vous êtes en train de faire saturer les services. J'ai fait le récap de ces mails là-dessus, il n'y en a pas 50. Vous envoyez des mails de longue. Laissez les services aussi le temps de pouvoir recevoir le mail, traiter vos demandes et vous répondre. Et donc, votre question, avez-vous aujourd'hui remboursé ces sommes à la collectivité ? J'ai apporté la réponse tout à l'heure à Madame Vessiot. Je vous remercie, je vous souhaite un bel été. Non, vous avez posé une question simple. Avez-vous aujourd'hui remboursé ces sommes à la collectivité ? Et j'ai apporté la réponse tout à l'heure. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais enlever ma casquette de mère et mettre ma casquette de papa pour aller manger avec mon fils à l'école des Escoliers. Je vous souhaite une bonne soirée, Madame Misona et l'ensemble des élus d'opposition. Je vous souhaite une bonne soirée également et à bientôt.